bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission. Beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal avec beaucoup d'envie. Effectivement, parce que c'est aujourd'hui notre 100e JT. Ouais ouais célébrer avec vous ce moment quasi historique. Nous avons décidé de vous offrir les meilleurs moments de ces 100 premiers JT. Ah oui, ou sinon on fait un best-of. Ah oui, vous comprenez vraiment pas l'anglais en fait, visiblement, Patrick. Hein. Ah si, si, if between. Bon, allez, ça m'a coûté une blinde en cours particulier. Ah oui, effectivement, c'est particulier, oui. Du coup, best-of ou meilleur moment? Ah, on va faire moins un assortiment. Très bien, sur place ou à emporter? Oh, bon, on va faire ça sur place. Eh ben parfait, tout de suite, les meilleurs moments du best-of. Alors, merci. Alors, bien évidemment. Il y avait... Alors, vous vous souvenez quand, par exemple, alors, un truc... Par exemple, il y avait... Non, sinon, il y avait quand on a... C'était un mardi, tu vois, tiens, t'as pris un slip, il y avait tout un tas... Sinon, si on n'a pas de meilleur moment, bah, on n'a qu'à offrir des moments tout court. Voilà, hein, des moments de chansons, par exemple. Oh, bah, Calme-toi. On va pouvoir infliger ça aux gens tout de suite. Hein. Voilà. Très bien, alors, des moments de solitude. Et il y en a eu beaucoup. Ouais. Patrick? Patrick? Patrick! Ah, c'est fini le JT, on peut se barrer? Non, là, on est en plein dedans, là, Patrick. Oh, merde, j'ai marché dedans. Oh là là. On sait aussi que vous avez adoré nos petits instants mignons. Effectivement, on a reçu énormément de courriers. Hein, et parmi les lettres d'insultes, il y avait quand même pas mal de gens, enfin déjà une personne, qui trouvait que les instants mignons, c'était cool. Ouais, alors tout de suite pour vous, Evelyne. Bah voilà mon instant mignon du jour. Bisous, maman. Et oui, il y avait mon instant mignon. Alors mon instant mignon, ah franchement, bah formidable. Je m'étais promis de pas pleurer. Je me doute. Que serait un best-of sans des scènes coupées? Et en fait, elle était en bagnole. Bon bah voilà pourquoi on l'a coupée du coup. Que serait un best-of, bien évidemment, sans son bêtisier? Bonjour à tous. Voilà. Et sans oublier ce qui fait le sel de ce JT, les jeux de mots. Exactement, qui nous a fait connaître de tout les services de police. Voilà. Par exemple, ce soir, la grosse émission reçoit El Château. Oui, c'est pour ça que j'ai mis de la paille. Bah pourquoi, Patrick? El Château de paille. Oh, oh. Bon, ça serait plus drôle avec du sable. Oh, pourquoi? Parce qu'El Château de sable. Oh, oh, là, oh. Hey, Château l'artiste. Foulée, c'est la fin de ce 100e JT. Merci de nous avoir suivis. C'était Audrey Goubert. Et Patrick Chanfray. Surtout, n'oubliez pas que sans JT, sans vous, ça n'aurait pas été sens. Sans bisous. Bravo!